1500 et n'en parlons plus. Ces images sont tirées d'un film d'espionnage dont le héros était un agent double. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas beaucoup de mémoire. C'est toi qui me l'as offert la semaine dernière. En réalité, l'agent double s'appelait Hubert Aquin. Ah, jolie madame. Ça va merveilleusement. Et le soir, surtout. Hubert Aquin est né en 1929 dans le quartier du Parc La Fontaine, à Montréal. Son père était marchand d'articles de sport. Après des études à Sainte-Croix, où il fait du théâtre avec le père Émile Legault, Hubert Aquin fréquente le collège Sainte-Marie et suit le parcours classique de l'intellectuel canadien-français. Des études de philosophie à l'Université de Montréal, puis il est boursier du Québec à l'Institut d'études politiques de Paris. Il profite évidemment de son séjour en Europe pour voyager. De retour à Montréal, Aquin entre à Radio-Canada, puis il travaillera à l'Office national du film du Canada en 1960, où il réalise entre autres un film sur les coureurs automobiles. D'ailleurs, la vitesse le fascinera toute sa vie. Il fonda même le Grand Prix de Montréal. Les seules révolutions qui m'intéressent, disait-il à la blague, sont celles des moteurs. Il entre en littérature par la porte des petites revues, Liberté, dont il est brièvement directeur, et Parti pris, à laquelle il collabore régulièrement. Il écrit surtout des téléthéâtres, mais rêve d'être homme d'affaires. Il s'intéresse à la politique et milite dans le mouvement indépendantiste. Le Devoir a publié le 19 juin 1964 cet article-ci. Est-ce que vous voudriez nous le lire, s'il vous plaît? Oui, c'était au milieu de la page 3 et c'était titré comme ceci. Hubert Aquin quitte le RIN et choisit l'action clandestine. Alors, je vous en donne lecture. Monsieur Hubert Aquin a annoncé hier qu'il quittait le Rassemblement pour l'indépendance nationale pour « combattre clandestinement », entre guillemets, en faveur de l'indépendance nationale. Cet écrivain bien connu avait été élu en mai, donc en mai 64, vice-président de la région de Montréal du RIM. Monsieur Aquin a fait part de ses intentions. Seuls les services secrets savent, et encore ne savent-ils jamais tout.
En tout cas, le lieutenant-détective Bernanquez de la police de Montréal n'ira plus très loin dans son enquête. Qui était Hubert Desaulniers, alias Hubert Raquin? Qu'était-il devenu ce jour où il entra par la petite porte dans l'histoire de la guerre secrète? La lettre est signée à la machine à écrire Hubert Raquin, commandant de l'organisation spéciale. Vous avez vérifié auprès de quelques personnes l'authenticité du document? Oui, à l'époque, j'avais communiqué avec des gens du secrétariat du RIN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale. En réalité, le RIN était à l'époque, et il est demeuré presque jusqu'à la fin, moins un parti politique organisé en fonction du pouvoir qu'un mouvement d'action politique, un mouvement de contestation, non seulement du gouvernement, mais du régime politique. Le juin 64, c'était à peu près un an après, rappelez-vous, le premier acte de terrorisme important, la mort du veilleur de nuit au Nil, à Montréal, les bombes dans les boîtes à lettres. Il y en avait eu quelques-unes à cette époque-là. Dès les premiers jours dans la clandestinité, il occupera l'appartement d'un ami, Louis-Georges Carrier, réalisateur à la télévision. À cette époque, Carrier travaillait hors de la ville, mais il était inquiet. Le jour où il revint à son appartement, Carrier demanda à Hubert ce qu'il comptait faire. Il me rassura aussitôt et me dit qu'il était temps qu'il quitte mon domicile, qu'il avait déjà échappé à quelques filatures et qu'il serait souhaitable de brouiller davantage les pistes. Le seul et dernier service qu'il me demanda fut que je le reconduise ce soir-là, quelque part à Outremont, avec cette cargaison secrète qui se trouvait dans mon placard. C'est ainsi que nous transportâmes des colis assez lourds, des instruments curieux et des piles de papier dans le coffre arrière de ma voiture. Avec des mines de conspirateurs, Hubert surveillait par le rétroviseur si nous n'étions pas pris en filature. Nous prenions des petites rues, nous revenions sur nos pas, toute voiture suspecte nous faisant changer notre itinéraire. Il prenait gîte chez une femme que je ne connaissais pas. Alors voilà, l'appartement, le 1375, correspond à l'appartement du milieu. Hubert était dans la clandestinité depuis une dizaine de jours et il habitait le 1er juillet, il habitait encore chez Louis-Georges Carrier sur l'avenue des Pins et c'est de là qu'il est venu, il a transporté ses affaires, il n'en avait pas tellement d'ailleurs et il est venu s'installer ici. Hubert, ce qu'il faisait dans la journée à peu près, il lisait, je me souviens qu'il avait quelques livres et notamment il avait un livre sur la révolte en Irlande, il lisait ça, il devait lire d'autres livres, mais ça je ne m'en souviens pas, et il écrivait, ou en tout cas il réfléchissait, il prenait des notes, mais je ne sais pas du tout ce que sont devenues ces notes. Je pense qu'il les a déchirées parce que de temps en temps, Hubert faisait le grand ménage, il jetait n'importe quoi. Il jetait dans les égouts, il jetait n'importe où, et ça il ne les a pas retrouvées, ces notes-là. Et lorsqu'il a été arrêté, après, tout ce qui restait de ses affaires, je les ai prises et je les ai portées au local du RIN. Moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce que Hubert Raquin pouvait être en train de faire. Je ne savais pas du tout où il pouvait se trouver. Et ça, après des années, là, je me rappelle d'avoir fait des appels à des gens, au hasard.
Des gens que je devinais un peu impliqués dans la clandestinité ou une semi-clandestinité, qui m'ont tous répondu qu'ils ne connaissaient pas l'endroit où se trouvait Hubert Aquin, ne savaient pas ce qui était arrivé. Mais je lançais des coups de sonde comme ça un peu partout. Finalement, je reçois un appel d'Hubert Aquin. Quelqu'un l'avait rejoint. Il ne devait pas être très loin, il ne m'a jamais dit où il était allé. Et Hubert Aquin, je lui dis que j'aimais beaucoup lui parler. Bon, il m'a dit que ça posait de grands problèmes parce qu'il était un peu traqué, etc. Il entourait ça. Après ça, tout ça d'un énorme mystère. Est-ce qu'il était nerveux? Hubert? Non, mais il était sérieux, très grave. Il était commandant de son unité, puis il prenait ça très, très, très à cœur. Finalement, il se présente chez moi, en pleine nuit, en me disant qu'il avait une arme. Il me montre cette arme. Avec un air que moi, d'un point de vue clinique, je ne pouvais pas juger autrement que significatif, que ça n'allait pas bien du tout. Et j'essaie de le convaincre que ce qu'il était en train de vivre n'aidait pas tellement à la cause qu'il défendait, mais que pour lui, en tant que professionnellement, je trouvais qu'il avait besoin d'aide. Et que c'était peut-être mieux qu'il annule toutes ses démarches à ce point-là, avant qu'il arrive quelque chose qui pourrait être regrettable. Je ne l'ai pas convaincu du tout. Le dimanche matin, donc, je sais que vers 9-10 heures, Hubert m'a dit qu'il faudrait qu'on aille faire une course. Il dit qu'il y a une auto que je dois récupérer, une auto que j'ai volée. Il m'a dit nous allons y aller ensemble et puis ensuite vous m'attendrez. Et quand j'aurai l'auto, vous me suivrez parce que je dois aller la mettre en lieu sûr. Alors nous sommes partis, c'était un temps comme aujourd'hui, d'ailleurs un temps bruineux, même pluvieux. Quelques jours ont passé. Désolé, on est arrivé rapidement à monter son réseau clandestin. Ce dimanche-là, nous sommes arrivés par Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges et Couine-Mairet. Et Hubert m'avait dit, tu vas me conduire pour que je prenne l'auto, mais tu vas m'attendre assez loin parce que je ne veux pas que tu cours le moindre risque. Ce qui fait que je l'ai donc amené par ici. Nous avons avancé. Et il m'a demandé de l'attendre à l'embranchement auquel normalement nous devrions parvenir maintenant. Je ne sais pas, ça n'était pas fermé à l'époque. Mais c'était ça. C'était ça, hein. Mais ça, il n'y avait pas cette barrière, on pouvait passer en auto. Et je l'ai attendu très exactement avant la rue parce qu'il est descendu de l'auto, il a marché par là. Et moi, je l'ai attendu par ici, à peu près. Combien de temps as-tu attendu? J'ai attendu au moins 2 heures. Et puis, je me suis rendue à l'évidence que où il lui était arrivé quelque chose, ou enfin, je ne sais quoi, était...
C'est avant-hier, dimanche 5 juillet, que l'arrestation d'Hubert Aquin a eu lieu. On avait signalé environ 40 minutes plus tôt, sur les ondes de la police municipale de Montréal, le vol d'une voiture, une Ford rouge 1964, qui appartenait au père Adrien Pinard. J'avais lu sur les journaux qu'il avait décidé de se retirer dans la clandestinité. C'était un certain honneur pour moi d'avoir ma voiture mêlée à cette clandestinité, mais j'y étais vraiment pour rien. La voiture du père Adrien Pinard était fermée à clé. Le constable Lalande est redescendu au poste 15 pour chercher un camion remorque et le constable Bernacchese a attendu sur les lieux en surveillant. Au bout de quelques minutes, il était environ 10h15, les gens sortaient de la messe. Un individu, avec le bras gauche dans le plâtre, est arrivé et est monté dans l'auto. Le constable Bernacchese s'est approché de lui, lui a demandé ses papiers. C'était Hubert Aquin. Il a dit « Je n'ai pas de papier, je les ai laissés dans mon bureau à Outremont. » Vous n'avez pas porté plainte? Non, pas du tout. Pourquoi j'aurais porté plainte contre Hubert Aquin? Vous le connaissiez? Je ne le connaissais pas personnellement, mais il était connu partout et il s'est identifié à une cause à laquelle j'étais moi-même très sympathique. De sorte que je ne vois pas pourquoi j'aurais ajouté le coup de pied de la âne, si vous voulez, à toutes les tribulations qu'il avait déjà. Arrivé au poste 15, Hubert Aquin a été interrogé et écroué. Quand on lui a demandé quelle était sa profession, il a répondu « révolutionnaire ». Puis il a été fouillé de façon minutieuse. Et on a découvert, caché dans son dos, sous sa veste, dans un étui de cuir, un revolver de calibre 38. À propos de ce revolver, les policiers lui ont demandé ce qu'il voulait en faire, et il a répondu « c'est pour me défendre. Vous êtes chanceux de m'avoir surveillé, sans ça je vous aurais tiré. » C'est défendu? Vous êtes filé depuis des mois. Avec tout ça, je peux vous expédier en prison pour 20 ans. Vous n'allez quand même pas m'arrêter. Ça dépend de vous. Désormais, désormais, vous travaillerez pour nous. Et Hubert Aquin se trouvait dans une sorte de vaste cellule avec, je dirais, la récolte de la nuit. Il y avait toutes sortes de gens là-dedans. Et je pouvais le voir seulement à travers les barreaux de la porte. Et ce pauvre... Enfin, je ne sais pas pourquoi je souris. C'est parce que c'est, lui-même, c'était comme... je l'avais vu avant. Dans un état de... jouant un jeu, pour ainsi dire, jouant le jeu de la clandestinité. Et là, c'était comme un enfant qui a été pris à son jeu, puis il était abattu, il était déprimé. En fait, il ne pouvait pas se reconnaître au milieu de cette population-là. Et ça n'était plus drôle du tout. Il demandait de l'aide. En fait, je peux le dire, là, Hubert Aquin, à ce moment-là, était abattu, il demandait de l'aide, il était désemparé. Hubert Aquin sera quelques jours en cellule. Puis, devant le tribunal, ses procureurs plaideront l'aliénation mentale temporaire. Ce qui m'avait frappé immédiatement à la lecture de l'acte d'accusation, ainsi qu'en prenant connaissance des circonstances qui entouraient les méfaits qu'on lui reprochait, je me suis dit immédiatement, je n'ai pas un criminel devant moi, c'est clair. C'est un jeune homme qui a certainement besoin d'être confié à quelqu'un. Maintenant, comme il m'apparaissait sortant un peu de l'ordinaire, je ne pensais pas qu'il devait être confié à la prison commune de Bordeaux. Et en conséquence, j'ai accepté qu'il soit remis aux soins de l'Institut Prévost et qu'il subisse des soins psychiatriques durant une période d'au moins quelques mois. Alors, c'est comme ça que Hubert Aquin est arrivé ici.
Et je pense que vous voyez un peu quel rôle j'avais à ce moment-là, qui était un peu difficile, parce que Hubert Aquin avait posé des gestes qui pouvaient être considérés comme cliniquement des gestes d'un malade. Par contre, Hubert Aquin était impliqué dans toute une démarche collective et jouait un rôle très important. Il n'avait pas, en fait, été jusqu'au bout du tableau clinique qu'il aurait pu présenter. Et au moment où il nous a été confié, il y avait eu une chute de cette excitation. Hubert Aquin était très calme. Il était même abattu. Il était même déprimé. Il faisait de l'insomnie. Et on ne pouvait pas facilement le considérer comme un grand malade à ce moment-là. Personnellement, moi-même, c'était très délicat aussi. Le connaissant, étant jusqu'à un certain point son ami, je ne pouvais pas le traiter absolument comme un malade. J'ai demandé à d'autres médecins de le voir. Hubert Aquin a refusé des entrevues, comme il y avait toujours jusque-là, refusé les entrevues. Alors, on s'est borné à l'observer. Réagir contre un sentiment dépressif profond qui avait comme signe évident ses propos sur le suicide qui étaient constants. Hubert avait valorisé l'excessif, l'excitation, la vie, je dirais, dangereuse. C'était comme un jeu, une aventure vécue perpétuellement. Mais dans l'action, dans un premier temps, et ça le conduit jusqu'à son, guillemets, passage à la clandestinité. Mais tout ça échoue, si on peut dire, assez lamentablement dans une espèce d'hôpital psychiatrique. Et il s'est lancé à ce moment-là, pour le grand bénéfice de la littérature québécoise, dans une espèce d'orientation littéraire. Il a écrit ici, en partie, je pense, son premier livre. Le souvenir de ce qu'il avait vécu ici, en fait, les lieux dans lesquels il a vécu ici s'y retrouvent. Mais il s'y retrouve comme une espèce de lamentable prison qui lui est imposée. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire ce premier roman? Eh bien, à vrai dire, c'est une question qui me vise très juste, si je peux dire, c'est presque un projectile, car la vérité, c'est que je ne voulais pas être écrivain. J'ai même tout fait pour échapper à ce destin, en quelque sorte, maudit. Je voulais vraiment faire carrière dans les finances et dans les affaires. Alors, je me retrouve aujourd'hui écrivain malgré moi. C'est-à-dire que ce que j'avais renié, ce que j'avais tenté d'éviter, soudain, m'est apparu comme étant, hélas, une sorte de fatalité. Mais puisque c'est une fatalité, j'en ferai quelque chose de positif. À ma grande surprise, il a été beaucoup mieux reçu que je ne pensais. Je m'attendais à ce que la critique soit bonne, ça, quand même. Mais je ne m'attendais pas quand même à cet article d'Étier Blais qui se terminait par « Nous le tenons enfin, notre grand écrivain, mon Dieu, merci ». Oui, j'ai écrit une phrase que certains m'ont reprochée, au contraire, pour laquelle d'autres m'ont fait des tas de compliments. J'ai dit « Nous le tenons enfin, notre grand écrivain, merci mon Dieu ». Parce que ce qui m'a frappé et qui a suscité en moi beaucoup d'enthousiasme à l'apparition de prochain épisode, c'est que cet homme que je connaissais, qui était Hubert Aquin, qui était suprêmement intelligent, et qui ne donnait pas l'impression de devoir jamais
donner sa mesure, permettre à ses dons de s'épanouir totalement, eh bien, ce même homme avait écrit une œuvre comme lui. Pour la première fois, dans une œuvre québécoise, on avait l'impression que la question nationale était poussée à un point de symbolisation et de stylisation assez exceptionnel, et que la clandestinité dans laquelle Akin s'était lancé prenait tout son sens dans ce livre-là. Je me suis même dit à ce moment-là, en le lisant, Akin a pris le maquis pour pouvoir écrire le prochain épisode. J'avais vraiment l'impression que c'était tellement fou comme décision, de toute façon, que ça pouvait s'expliquer seulement pour des raisons d'art littéraire. Ce qui me gênait un peu dans cette histoire racontée par Hubert Akin, c'était au fond l'échec. Et l'échec au plan anecdotique. Mais ce qui me ravissait, moi, en tant que littéraire et en tant qu'observateur, critique, etc., c'était la réussite. La réussite en tant que telle, la réussite littéraire, l'accomplissement du langage. J'ai lu le livre après les premières pages dans une sorte d'état de transe, je vais employer un adjectif horrible, mais patriotique. J'étais content, c'est ça que j'ai ressenti. J'étais content de me trouver en face d'un homme de ma génération, parce que nous avions sensiblement le même âge, et qui avait écrit une œuvre que moi j'aurais aimé écrire et qui l'avait écrite sans doute mieux que moi je ne pourrais le faire et qui faisait honneur à ma génération et qui en plus disait des choses qui correspondaient à ce que je ressentais parce que j'ai vécu aussi cette expérience de l'Europe comme instrument de découverte de soi. Et ça m'a fait un plaisir extraordinaire, je l'ai lu avec à la fois un sentiment de volupté et de tremblement. Et j'ai écrit l'article immédiatement et dans un état presque de transe. C'est pourquoi à la fin, je ne l'ai pas relu l'article, parce que je ne pourrais pas, ce serait une sorte de masochisme. Mais je me souviens que j'étais comme un cheval emballé et que j'allais vers ma conclusion pour dire merci, merci, c'est trop beau. Ça dépassait tout ce que j'avais pu espérer. Et il y a eu une réaction si favorable que je viens de regarder les chiffres. Nous en avons on a eu 3 tirages en moins d'un an. Ou non, en un peu plus d'un an. On a eu 3 tirages entre septembre 65 et décembre 66. Et que, donc, on avait au moins vendu les 6 000 premiers exemplaires. Or, au Québec, 6 000 exemplaires dans les 6 mois ou 8 mois de l'apparition, c'est un très grand succès. Par la suite, aujourd'hui, c'est un classique, je réimprime le prochain épisode tous les ans. Est-ce que l'aspect politique du roman a été important dans sa vente? Oui et non. Oui, je pense. Oui, dans le sens que il arrivait au bon moment. Il arrivait où toute l'intelligentsia québécoise se questionnait sur ce problème de l'indépendance. Et il est arrivé avec un livre qui répondait à leurs aspirations profondes. Parce que ce livre, n'est-ce pas, enfin, tout le monde le sait, Akin, il y a des niveaux. Il y a la surface et puis il y a la richesse en profondeur. Si on regarde le niveau de la mer, la mer est calme, mais si on descend, il se passe des tas de choses. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que le public soit prêt à descendre avec Akin dans les profondeurs. Or, il était prêt, c'est ça qui s'est passé. Il y a des écrivains ici, mais je me demandais justement en entrant s'il y avait des lecteurs. Je ne sais pas si le lecteur idéal se trouve comme ça. J'ai plutôt l'impression que le lecteur idéal, il faut le chercher. Et puis, il faut surtout le trouver au fin fond du livre quand il est en train de baver là, dans l'intrigue et qu'il cherche à comprendre de quoi ça retourne. Ça, c'est un lecteur idéal. Celui qui a tenu 150 pages. Quand vous cherchez votre intrigue, est-ce que vous pensez au lecteur? Ah oui, tout à fait. Oui, je me préoccupe, je dirais même, je suis obsédé par le lecteur, je suis vraiment préoccupé du fait que le livre, pour moi, c'est un spectacle qui s'adresse à un consommateur, et le consommateur, c'est le lecteur. Alors, si le lecteur n'est pas au bout de mon obsession, je dirais, ça ne marche pas. J'écris vraiment pour le lecteur. Vous avez donc aimé beaucoup dédicacer les livres? Non, c'est fatigant, ça. Je ne sais pas ce que Marie-Claire Blais en pense, mais c'est un peu fatigant. Mais j'aime bien dialoguer avec les lecteurs, car ça m'est arrivé souvent dans des cégeps dans tout le Québec ou même dans des groupes autres. Je veux dire, de rencontrer des groupes de lecteurs qui m'ont étonné, et même en dehors du Québec.
Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, disons? Ben, voyez-vous, ils nous apprennent des choses sur nous. La façon, voyez-vous, ils m'ont posé des questions des fois tellement pertinentes et tellement révélatrices que j'ai appris, moi, des choses à mon propre sujet, au sujet des livres que je faisais, et j'ai mesuré l'impact de certains effets que je voulais produire. J'ai mesuré aussi les effets ratés, car certains effets que j'avais voulu produire n'avaient pas marché. Tout ça, je le mesurais par des lecteurs qui me le disaient. Dans ses romans, désormais, Akin va explorer plus avant l'univers des drogues, de l'épilepsie, du viol, du meurtre et du suicide. À cette époque, Hubert a fait une tentative de suicide sous le nom de ce personnage-là, dans un hôtel de Montréal, qui était d'ailleurs mentionné dans le texte du téléthéâtre. Et c'est son ami Louis-Georges Carrier qui a pensé qu'on le trouverait là sous le nom du personnage, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Se dépasser. Il voulait sortir de lui-même. Il voulait à la fois l'explosion et l'implosion. C'était un personnage, de ce point de vue, fascinant, mais dangereux pour lui-même, bien sûr. C'est certain. Et puis je me souviens un jour, tiens, de lui avoir dit, avoir trouvé quelque part, et malheureusement, je ne saurais vous dire de mémoire de qui est cette phrase, mais à l'époque, je le savais, je lui ai dit, tiens, ça va t'intéresser, Hubert. Tel écrivain a dit, j'ai un projet, devenir fou. Ah, il aurait trouvé ça extraordinaire. Il était là, lui aussi, il avait ce projet-là aussi. Devenir fou au sens de transcender le quotidien, au sens d'avoir des grandes ailes. De vivre intensément. Et c'est l'adverbe intensément qu'il a employé dans son dernier message. Dix ans ont passé depuis la parution de Prochain épisode. Hubert Akin a laissé derrière lui l'action politique pour se consacrer à l'action littéraire. Parce que l'écriture lui est difficile, il veut aider les autres à produire et il accepte avec enthousiasme le poste de directeur littéraire des éditions La Presse. Mais 18 mois plus tard, Akin dénonce publiquement les politiques de son patron Roger Lemelin, qui se voit forcé de le congédier. Hubert était toujours trop. Hubert était trop fantaisiste. Hubert était trop bruyant. Hubert était trop dépensier. Hubert voyait trop loin. C'était toujours trop. C'était sa démesure qu'on ne pouvait pas prendre. Alors que c'était une démesure, finalement, très positive. Roger Lemelin l'avait engagé, lui disant qu'il voulait faire, il lui confiait le mandat de faire des éditions La Presse, le Gallimard du Québec. Bon, ben Hubert s'est senti investi d'une espèce de mission. Il n'a pas été avec les petits moyens. On est Gallimard ou on ne l'est pas. Il a engagé des collaborateurs, il organisait des réunions, il faisait venir le monde en avion, payait le voyage de tout ce monde-là, les comptes de dépenses à l'hôtel, c'était les apéritifs, le repas, les digestifs pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on lui avait dit. Vas-y en grand, c'est ça qu'on attend de toi. Puis lui, il a cru ça.
C'est-à-dire qu'il l'a entendu dans le mauvais sens. C'est-à-dire que Gallimard, vous le savez, à ses débuts, ne publiait que quelques livres. Et ensuite de ça, avec les années, c'est devenu une maison qui s'est lancée dans les affaires. Mais quand Gallimard a publié Gide, ou, il faut dire, par exemple, que quand il a publié Le Gallien, c'était sa grande gloire. Il faut dire que Le Gallien a eu du succès. Il y a eu beaucoup de nez là-dedans. Mais je répète que Hubert, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation structurée, si cette entreprise ne le rejetait pas, il s'arrangeait pour qu'elle le rejette. Il pouvait tenir tous les rôles. Il pouvait faire le clown comme il pouvait être une espèce de prince aristocratique, recevoir n'importe qui, être un sérieux et très, très, très correct. Il pouvait faire tous les niveaux, tous les étages. Il pouvait être très sérieux, comme il pouvait faire le fou. Ou à un moment donné, quand il était, on travaillait l'après-midi, puis là, il commençait à trouver que c'était un peu trop sérieux. Ça faisait 2 heures, là, il n'avait pas fait le fou. Il y avait quelqu'un dans le bureau d'à côté qui était un jeune homme très sérieux, c'était le comptable, très à son affaire. Puis là, il se levait, puis là, il criait, là, puis il donnait des coups, puis il disait « Tu m'empêches de travailler, arrête de faire le fou! » Alors que l'autre était complètement tranquille. Il faisait ça souvent pour comme enlever de l'attention, ou il ne pouvait pas être sérieux trop longtemps. Mais pas faire le fou non plus trop longtemps. C'était le gars des extraits. Il parlait souvent du suicide? Tous les jours. Tous les jours, je pense, j'ai travaillé pour lui presque 13 mois, puis il n'y a pas une journée où Hubert n'a pas parlé de suicide. Des fois, il en parlait sérieusement, comme quand il me demandait d'aller chercher un fusil parce qu'il n'était plus capable. D'autres jours, il en parlait en blaguant. Il mimait son suicide. J'arrivais dans son bureau, puis là, il se tirait une balle dans la tête, puis là, il tombait à terre. C'était pas tellement drôle. Ou il mimait sa mort. Il faisait semblant qu'il était en train de s'étrangler, là, puis il tombait par terre, mais c'était pour me faire rire. Mais il n'y a pas une journée où il ne l'a pas fait ou pour me faire rire ou pour en parler très, très sérieusement. Il était paranoïaque. Il y a des journées quand ça allait pas. J'allais au restaurant avec lui, puis on sortait du restaurant, puis il se cachait en arrière de moi, puis il me disait « Protège-moi, il avait peur, il avait peur, il avait peur. » Moi, de quoi précisément il avait peur? Soit je le savais pas, mais il avait peur. Il se sentait pas en sécurité. Mais ça durait jamais longtemps, mais ça revenait souvent. C'était une constante chez lui. Il n'y avait pas d'équilibre. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous aviez offert, finalement, au jour à Hubert Aquin? Et moi, j'avais offert à Hubert le poste de rédacteur en chef. À quel moment, ça? C'est une semaine avant que le putsch, ou appelez ça comme vous voulez, de toute façon, il y a diverses interprétations historiques. C'est une semaine avant que le jour ferme. Mais le conseil d'administration du jour, dont M. Parizeau était président et les autres, avaient accepté la nomination d'Hubert Aquin comme rédacteur en chef. Date, début, je ne dirais pas début haut, à peu près la mi-juillet. La mi-juillet. Ouais. Moi, j'avais pensé, c'était immédiatement après la... quelques semaines après que Hubert ait quitté le journal de la presse. Alors, je l'avais appelé. Je savais qu'il était en disponibilité, puisqu'il avait offert sa démission. Je l'avais appelé et nous étions allés déjeuner au Bouvillon, là, près de l'université. Il me semblait en parfaite forme. Très enthousiaste, d'ailleurs, à l'idée de devenir rédacteur en chef du jour. Et à ce moment-là, j'avais piloté sa candidature au conseil d'administration qui avait accepté. Mais par la suite, une cascade d'événements a fait que la chose ne s'est pas faite, tant et si bien que Hubert Aquin était effectivement rédacteur en chef d'un journal qui n'a jamais publié, puisque le 24 août, le journal a été fermé. Et je me souviens que c'est début novembre, j'ai eu vraiment comme un espoir qu'en dépit de ce qu'Hubert m'avait dit, il y avait peut-être une possibilité de vie. C'est qu'il y a eu 2 ou 3 soirs où il a repris son rythme qu'il avait quand il écrivait. C'est-à-dire que tout de suite après le repas, il disait « Bon, ben, tu m'excuses », il dit « Je monte travailler ». Il s'enfermait dans le bureau, se mettait la musique, mais alors de façon infernalement haute, et il écrivait. Et il me disait, ben oui, ça avance un petit peu. Et moi, j'étais ravie parce que je sentais qu'au moins ça pouvait l'accrocher à la vie. Mais ça a vite cessé parce que le 3e jour, je crois bien qu'il a commencé à tousser, à attraper une espèce
de bronchite qu'il a d'ailleurs traîné jusqu'à la fin. Il était aussi fatigué, etc. Et il s'est arrêté. Quand il partait en voyage, qu'il revenait, il emportait toujours avec lui son manuscrit. Quand il revenait, je lui demandais immanquablement, as-tu pu écrire un peu ? Puis immanquablement, ben, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. Mais en tout cas, il aurait voulu, mais il n'avait pas pu écrire. Et je pense que c'est l'évidence à laquelle il se rendait de plus en plus, c'est qu'il n'arrivait plus à écrire. Bombre. Le commencement n'est le commencement qu'à la fin. Schelling. Et je lui dis, j'espère que t'écris. Il dit, je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais je dis, t'as tort, tu passes un mauvais moment. Il dit, je suis plus capable. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu mets toujours une échéance aussi proche comme si tu allais mourir bientôt? La vie, c'est long. Une année, on est comme ci, une autre année, on est comme ça. Il dit, je suis plus capable, je serai plus jamais capable. Puis il dit, toute la force que j'ai n'a pas été utilisée. Il dit, pas plus par toi que par le gouvernement, parce qu'il s'attendait que le gouvernement le nomme sous-ministre des affaires culturelles. Puis il n'y a eu aucune nouvelle. Et pour lui, c'était une souffrance extraordinaire. Parce que tous ces jours, depuis le début janvier, Hubert ne faisait qu'une chose. Il était littéralement assis dans un fauteuil à côté du téléphone. Il attendait l'appel. L'appel, c'était deux choses. Ou bien le règlement de la presse, ou peut-être le gouvernement du Québec qui ferait appel à lui. Le 30 janvier ou le 1er février, quelque chose, en tout cas dans cette période-là, il a eu enfin son règlement de la presse. Alors, il m'a dit, j'ai toujours pensé que je te donnais cet argent. J'ai dit, j'ai toujours pensé que je ne le voulais pas. J'ai dit, tu vas me rembourser ce que tu me dois, parce qu'on tenait nos comptes de façon très précise. C'était bien important pour Hubert de ne pas sentir que c'était moi qui l'entretenais, mais que je lui avançais plutôt de quoi vivre. Il m'a donc remboursé ce qu'il me devait, c'était à peu près dans les 6 000. Ça faisait depuis août qu'il était en chômage quand même. Et le restant, je lui ai dit peut-être que tu ferais bien de prendre, comme on en parle depuis plus d'un mois d'ailleurs, de prendre une certaine distance de Montréal et puis de ta vie en général. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit oui, de fait. Il dit peut-être que je ferais bien de faire un voyage et puis d'évaluer pour une dernière fois si je veux vraiment vivre ou mourir, parce qu'il dit c'est quand même infernal pour toi, puis il dit je ne veux vraiment plus, là maintenant, prolonger cette espèce de supplice plus longtemps. Il dit quand je reviendrai, il dit je te jure deux choses, que d'une part je ne me tuerai pas pendant cette absence, et d'autre part que lorsque je reviendrai, je te donnerai une réponse vraiment nette et définitive. Ce dont je me souviens, c'est que nous étions tous les deux allongés dans le lit. Et puis Hubert s'est tourné vers moi avec un sourire qui était au fond un sourire un peu de pitié pour moi, pour ce qu'il allait me dire. Et puis il se tenait le front. C'est un geste qui lui était assez familier, de se tenir comme ça. Et il m'a dit, tu sais... Il s'est arrêté. Là, je lui ai dit, n'aie pas peur de me dire ce que tu veux me dire, parce que tu sais que je suis prête à t'entendre.
Il m'a dit, oui, tu sais, c'est fait, je suis déterminée. Il dit, demain, je me tuerai. Là, j'ai eu une réaction que, bien sûr, on peut avoir du mal à comprendre. Mais moi, je vivais dans ça, au fond, depuis 6 mois. Et puis, il y avait une chose qu'on s'était dit avec Hubert, c'était que tant qu'il n'était pas vraiment décidé à se tuer, il fallait qu'au maximum, les choses continuent à tourner comme elles tournaient. Il ne fallait pas, disons, s'interrompre et puis attendre les bras croisés ou que ça vienne pas. Il fallait continuer à assumer notre fonctionnement. Donc, quand Hubert m'a dit ça, je lui ai dit, demain, tu n'y penses pas. Demain, je commence mes cours à 8 heures. J'ai cours toute la journée et je recommence mardi. Parce que, de fait, mon horaire à cette session était concentré dans le lundi et le mardi. Je lui ai dit, donc, c'est pas possible. Je lui ai dit, je peux pas imaginer que je passerai la journée à donner mes cours et que quand je reviendrai, eh bien, tu me quitteras pour te tuer. Ah, il est sûr que dans l'optique que je viens d'indiquer, il ne m'est pas venu à l'esprit que je pouvais dire, bien sûr, je vais manquer mes cours et puis je vais vivre avec toi cette dernière journée. Je dis donc, écoute, lundi, c'est pas possible. Je dis, est-ce que tu me ferais une dernière faveur qui serait d'attendre mardi? Je lui dis, je te donne tout le temps que tu veux pour réfléchir et puis, sens-toi bien libre, tu peux me dire non. Alors, il a réfléchi, disons, quelques secondes. Il m'a dit, c'est entendu pour mardi, mais à une seule condition, c'est que entre lundi et mardi, tu ne remettes pas en cause ma détermination. Je lui dis, c'est bien évident, je te promets de ne même pas t'en parler et je te remercie beaucoup de remettre ça à mardi. Nous sommes rentrés à la maison, et puis là, pour moi, dans ma tête, on avait encore toute l'après-midi ensemble. Mais une fois qu'on a été rentrés, je suis donc montée à mon bureau avec l'idée de faire je ne sais quelle bricole. Hubert s'affairait, là. Je savais que le matin, il avait préparé son fusil, et il s'était même plaint à moi de ce que Emmanuel avait dérangé, Emmanuel était descendu, puis lui avait dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui ai dit, c'est ta faute, tu savais qu'Emmanuel était en congé, je lui ai dit, tu n'avais qu'à t'arranger pour qu'il ne te voie pas, ou je ne sais pas, c'est tout à fait normal qu'Emmanuel vienne te retrouver, puisque moi je n'étais pas là, il ne pouvait pas venir me retrouver, moi. Alors donc, Hubert a commencé à s'affairer, et puis à un moment donné, il m'a dit, tu crois que je peux monter le fusil? J'ai dit, oui, j'ai dit, mais enfin, c'est bientôt, je veux dire, Emmanuel va pouvoir le voir et tout. Il dit non, tu sais, il dit je ne peux plus tenir, il dit je pars maintenant. Alors là, bien sûr, j'ai eu mon coup au cœur, même si j'en avais déjà pas mal, mais moi, je m'attendais quand même à avoir encore une journée, une après-midi et une soirée. Alors Hubert me dit donc non, c'est maintenant. Il monte le fusil et puis il l'avait en main lorsqu'on sonne à la porte et c'était Emmanuel qui jusque-là jouait dehors avec des amis et qui dit à Hubert, papa, qu'est-ce que je fais? Il y a le pneu de ma bicyclette qui est crevé. Alors Hubert n'avait qu'une idée, c'était de se débarrasser d'Emmanuel. Parce que moi, il m'avait déjà prévenu, il m'avait dit, surtout, ne me demande pas de revoir Emmanuel avant de partir, ne me demande pas de l'embrasser, il dit, je ne peux vraiment pas. Puis je lui avais dit, je te comprends et j'essaierai de faire au mieux pour ça. Alors Hubert dit à Emmanuel, il dit, écoute, j'ai pas le temps de m'en occuper de ta bicyclette. Il dit, tiens, voilà de l'argent. Puis il lui sort un billet de 5 $. Emmanuel, il dit, papa, t'es fou. D'abord, ça coûte rien pour la bicyclette, etc. Hubert dit, oui, prends-le, on sait jamais, prends ton billet, puis vas-y, faire réparer ta bicyclette. Alors Emmanuel dit, bon, ben d'accord, il prend l'argent, et puis il s'en va dehors retrouver son ami pour aller faire réparer sa bicyclette. Hubert prend le fusil et le cache dans le placard qui est à l'entrée. Et puis, là, il est sûr que mes souvenirs ne sont plus d'une précision très grande en ce qui concerne la séquence chronologique. Je ne sais plus trop ce qui s'est fait avant, ce qui s'est fait après. Je sais qu'à un moment, Hubert est monté et m'a dit, je ne sais pas si ça pourra aller comme j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il avait prévu, Hubert? Il avait prévu d'appeler un taxi, de monter dans le taxi en cachant le fusil sous son manteau,
de se faire déposer à un endroit isolé qu'il avait repéré, mais dont il n'avait pas voulu me parler, en me disant « tu es suffisamment complice de mon acte ainsi, je ne veux pas t'impliquer davantage, et d'ailleurs ça n'avance à rien ». Et là, il aurait fait réaliser l'exécution, c'est le cas de le dire, de son projet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'instant de faire une espèce de répétition, il s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à le cacher, le fusil, sous son manteau. Je pourrais vous le montrer, le fusil en question. C'est très haut. Alors, il ne savait plus qu'en faire de son fusil. Il m'a dit « qu'est-ce que je fais ?» Je lui ai dit « je crois que c'est pas possible que tu appelles un taxi, que tu montes dedans, parce que le chauffeur va le voir et ne va pas vouloir t'embarquer. » Alors j'ai dit « je ne vois qu'une solution, c'est que tu prennes notre auto. » Et que il dit « oui, il dit au fond, j'irai à Villa Maria. » Et là, il se passe quelque chose d'un peu étrange, c'est qu'il n'avait jamais été question entre nous de Villa Maria. Quand il m'a dit ça, il l'a trouvé très spontanément, et moi je l'ai reçu très spontanément, comme si ça avait été convenu entre nous que ce serait Villa Maria, alors qu'il n'en avait jamais été question. En tout cas, je lui dis « bien, c'est ça ». Alors, il m'a dit « je crois que la meilleure façon, c'est de rouler le fusil dans le manteau et de le déposer sur la banquette à côté de moi ». Je lui ai dit « essaye, voir ce que ça donne ». Alors c'est ce qu'il a fait, il est revenu en me disant « ça a l'air de marcher comme ça ». Bien, le fusil, je crois, était donc dans l'auto. Hubert est revenu, je ne sais plus trop, mais je sais qu'à un moment, je devais marcher dans la cuisine. Hubert n'était pas loin du placard de la salle à manger dans lequel il y a toutes les bouteilles d'alcool. Je lui ai dit « est-ce que tu as bien tes quelques comprimés sur toi ?» Parce que je tenais à ce qu'il ait avec lui quelques tranquillisants. Parce qu'il m'avait dit « comme je ne veux pas me tuer, il est possible que je me rende à l'endroit, mais que là, j'attende s'il y a du monde, parce que, il dit, je redoute la pelure de banane. Et cette fois-ci, je veux être sûre de la réussite. » Alors je lui avais dit « comme tu risques d'attendre un certain temps, prends quelques tranquillisants. » Parce que Dieu sait que je comprenais qu'il pouvait être angoissé. Je lui demande donc « tu as bien tes comprimés ?» Il me dit « oui ». Il me dit « tu me permets une dernière gorgée d'alcool ?» Bien évidemment. Alors il a bu une gorgée de cognac, à même la bouteille. Là, je ne sais plus trop, mais je sais que je me retrouve à nouveau en haut, dans notre bureau, devant mon bureau. Et il est venu. Il s'est mis à genoux devant moi et il m'a prise avec ses bras et il voulait un peu enfouir sa tête sur moi. Je lui ai caressé les cheveux et je lui ai dit « va faire ce que tu as à faire ». Il m'a dit « tu as raison, ce n'est pas le moment de se laisser aller à l'émotion ». Alors il s'est relevé. Nous avons descendu ensemble les escaliers et au pied de l'escalier, je suis restée sur la dernière marche. Il était en bas, nous étions donc à peu près à la même hauteur et je lui ai dit là, je l'ai bien regardé dans les yeux, je pensais qu'il m'embrasserait, je crois que c'est moi qui l'ai embrassé. Je lui ai dit « adieu mon amour ». Il ne m'a pas répondu, il est parti. À ce moment-là, la chatte est venue se frotter contre moi. J'ai pris la chatte dans mes bras et je suis allée sur le perron pendant qu'Hubert rentrait dans l'auto qui était stationnée juste devant la maison. Hubert est entré dans l'auto, je le voyais mal parce qu'il y avait un contre-jour qui faisait que je ne pouvais pas l'apercevoir. À un moment donné, il s'est penché, il est venu très près du pare-brise et il m'a envoyé quelques longs baisers auxquels j'ai répondu du perron. Et puis là, il a tout de suite démarré et il s'est éloigné par là. Il a donc fait comme chemin la rue Vendôme, Côte-Saint-Antoine, Descaries, et il est entré par l'entrée qui est au coin de Monklund et Descaries, l'entrée de Villa Maria. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment de l'existence où Hubert était là.
voulait écrire froidement, comme il disait, par rapport à ceux qui écrivent de façon échauffée. Il voulait écrire sans inspiration, par opposition à ceux qui écrivent avec inspiration. Il voulait écrire une œuvre qui soit hors de lui, complètement. Et il voulait écrire un livre qui soit complètement vide.